Bonjour, je m'appelle Diana Bassard, je suis juriste, je travaille à l'Agence nationale des affaires maritimes, ANAM, et je suis également auteur. Alors, je viens de publier chez l'Armateur Sénégal mon troisième ouvrage intitulé Conviction, qui vient après le premier essai, le premier ouvrage publié en septembre 2017, La politique africaine de la France entre rupture et continuité, et le deuxième ouvrage qui était un ouvrage collectif écrit avec sept autres confrères auteurs, Sendjaras, Cocktail citoyen, publié en juillet 2018. Alors, Conviction est un récit fortement autobiographique et comme je l'ai dit en vous parlant de moi, je vous parle de vous. Vous y retrouverez un bel hommage rendu à un homme de conviction qui nous a quittés en 2018, Monsieur Sidi Lamine Niass, PDG du groupe Walfadri, et également des tranches de vie. Et comme on l'a dit, la vie est bipolaire, si je peux m'exprimer ainsi, avec des aspects, des relents positifs et aussi des tranches de vie douloureuses. Alors c'est ce que vous retrouverez me concernant dans ce récit, donc des tranches de vie. Je vous lève un voile sur ma vie de famille, mais également je reviens sur des faits de société comme la violence qui est de plus en plus répandue dans notre société, l'acculturation qui est aussi prégnante, très très présente dans notre mode de vie. Il y a également nos rapports avec nos aînés, donc je parle de tensions générationnelles. Je parle également de ma conception du ménage, de la vie de couple, de la polygamie, des relations humaines qui sont de plus en plus dénuées d'humanisme. Bref, Conviction, c'est un récit qui vous parlera, je l'espère bien. Et donc je souhaite bonne lecture à tous et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger sur cet ouvrage. Je vous remercie.